La reine du Danemark a demandé qu'une minute de silence soit observée lors d'un gala au Royal Théâtre de Copenhague en l'honneur de la reine Elisabeth II. La reine Margrethe II du Danemark, 82 ans, devait tout mettre en œuvre pour marquer ses 50 ans de règne, mais a été contrainte d'annuler une grande partie de son jubilé d'or, qui avait déjà été reporté en raison de Covid-19, selon le Sunday Times. Margrethe est aujourd'hui la monarque la plus ancienne d'Europe. La reine était une troisième cousine d'Elisabeth, et les deux étaient proches, selon les rapports. Ils se seraient appelés par leurs surnoms Lilibet et Daisy et Elisabeth a invité Margrethe à déjeuner chaque fois qu'elle était à Londres. Le rédacteur en chef royal d'ITV, Chris Sheep, a partagé la nouvelle sur Twitter, remarquant, un hommage d'une reine à une autre. Sa Majesté est décédée à l'âge de 96 ans jeudi après-midi à Balmoral en Écosse. Jeudi soir, dans une lettre adressée au roi Charles III et publiée sur le site du palais danois, la reine Margrethe VI dit profondément émue par la triste nouvelle du décès de votre mère bien-aimée. Votre mère était très importante pour moi et ma famille. Elle était une figure dominante parmi les monarques européens et une grande inspiration pour nous tous. Elle va terriblement nous manquer. Le Danemark et moi lui sommes reconnaissants de ses efforts continus pour renforcer davantage les relations étroites et chaleureuses entre nos deux nations. Que Dieu vous bénisse tous les deux et vous donne force et espoir dans votre vie et vos devoirs futurs. Vendredi, les drapeaux du palais royal danois à Copenhague ont été mis en berne. La porte-parole du palais, Lene Balbi, a déclaré que les modifications apportées au programme des célébrations avaient été apportées au souhait de la reine, danoise. Deux événements prévus samedi, une apparition de Margrethe sur le balcon du palais d'Amalienborg pour saluer une foule de sympathisants ainsi qu'une balade à travers la capitale en calèche, ont été annulés. Un déjeuner à l'hôtel de ville de Copenhague a été reporté, tandis que des événements tels qu'une représentation à l'ancienne scène du Théâtre Royal, un service religieux et un banquet le dimanche soir seront réduits. Margrethe a été proclamée reine le 15 janvier 1972, un jour après la mort de son père, le roi Frédéric IX, des suites d'une courte maladie.